Yop, Xelor Feka du côté de Petite Douille, alias Auguste Soclar, Auguste Scolar. Et avec un ban Xelor qui est pas très étonnant, même si ban Feka aurait pu se voir. Mais bon, Feka est plus dur à maîtriser, du coup, j'aurais tendance à avoir plus de chances de gagner contre Feka. Et surtout que Feka peut aussi bien bloc et ne rien faire. En face, il y a Eka Sram du côté de Sipouz avec le Sram qui a été banni. Ah, c'est étonnant, après Sram, c'est vrai que ça peut faire vraiment peur, tu peux vraiment choper des létales de manière assez honteuse. Et si t'es pas trop habitué à Sram, voilà, comme j'ai dit, ça peut faire peur, mais. Eh bon, on a une piscine. Y a Val, il va passer sa malédiction. Ok, on n'a pas la piscine de ce côté-là, mais du coup, le layout sera à l'envers. Mais là, j'envoie le lien sur le Discord. Petite douille versus Snipouze Cross Maga Dig. Bon, là, on a petite douille en first, mais bon, c'est parce que sinon j'ai la piscine. Hein. Vous m'excuserez. Bizarre qu'il n'a pas sorti Inis Snipouze. Bah, faut pas oublier que la classe phare de Snipouze, c'est Eka. Hein. Après, oui, en effet. Après, je vais voir son Inis et quand même me gagner contre moi. Mais c'est son Eka avec ses vols honteux qui. qui fonctionne le mieux. Ok, du coup, du côté de Auguste Collard, on voit. Bon, une petite carte bien sympa, ça a l'air du coup d'être un mid assez classique. Du côté de Snipouze aussi, c'est sur du mid-range. Bon, la virilité qui est toujours en sort que je n'approuve point, mais soit. Et là, il a rien à curver, c'est un peu chiant, et en fait, il prend un tour de retard. Il veut enchaîner du coup avec Blackwa pour aller chercher la. Mais c'est un fou ici. Tu perds un gis, t'as de force du coup à claquer Blackwa là-dedans. Je suis vraiment pas fan. J'aurais juste préféré Pass et Poiscaille Dexterm. Sérieusement. Parce que là, le truc, c'est qu'il du coup, il doit faire Black Wab. Il va faire quoi? Black Wab ici. Qui met 2 dégâts là. Et dans ce cas, après, tu as de force à recaster un Black Wab sur Archil. Berg Virilité. Ah ouais, hein. Mais en fait, Virilité, c'est un sort qui est pas. Qui est pas trop mauvais. Hein. En soi, c'est. C'est, on va dire, plutôt bon sort, mais c'est pas excellent non plus. Le problème, c'est que ça gâche un peu ton maskman. Ça peut te faire une pioche morte, et c'est un sort qui est intéressant en aggro quand t'as plein de créatures. Enfin, en mid, enfin, mais n'empêche, je dois avouer que dans certains setups, Snipouze il a réussi à vraiment value autorité, enfin, virilité, pardon, à vraiment value virilité, et dans ce cas, c'était intéressant, mais. Ça m'a l'air vraiment d'être dans des setups trop particuliers pour que ce soit vraiment viable. Bon, l'archil, je sais pas si le double top là est un peu overkill, il a eu peur d'une compulsion. En vrai, vu comment il a joué sur Black Wab, c'est vrai que avoir peur de compul ne me choque pas plus que ça, mais. Mais bon, dans ce cas, en fait, là, le truc, c'est qu'il a plus de boost d'attaque. C'est ça qui me dérange, c'est que s'il avait une compul ou un Black Wab en main, j'aurais dit, ok, là, vu qu'il a plus rien. Enfin, il a des cartes, hein, des bonnes cartes même. Mais il a plus de boost d'attaque. C'est. Champion perplex. Après, t'as le bon charge sur Tom là. Mais bon, il y a le second Black Wab qui est pioché du côté de Snipouze. Ça joue rarement 3 Black Wab. Du coup, bon, est-ce que tu vas tourner autour d'un second Black Wab? Mais ce qui est intéressant, c'est que tu prends le fléau, tu mets 2 dégâts. Après, est-ce que c'est pas un peu. Un peu surréagir? T'as un chevalier de parme sur T5 qui est quand même très intéressant. C'est comme intimidation, mais pourquoi? Tellement de conditions pour le sortir. Donc Lyop a tellement de bons sorts. Bah non, en soi virilité c'est vraiment bien, tu vois. C'est, je dirais, en fait, c'est, on va dire, je vais les considérer comme tiers B ou tiers B moins, tu vois. Si on considère bon par exemple en tiers B, bah, tu vois, on va dire par exemple les sorts Lyop, t'as compulsion, charge, heure de gloire, autorité, qui sont genre les tiers A, les bastaves. T'as, je vais considérer par exemple bon épée céleste
qui sont genre les tiers B, tu vois, ça va un peu dépendre des listes. Non, on va peut-être considérer. En fait, faut considérer bon en B+, on va dire. Ou en mid entre A et B, ça veut dire ça va être meilleur que les autres spells. Mais ça va pas être tout le temps joué comparé à charge, compulsion et les cross-mic. Hein. Comparé à ces spells-là qui sont partout, le bon il est un peu plus situationnel. Mais par contre, tu vois, à côté, derrière ça, t'as virilité, t'as épée céleste. Qui sont des bons sorts. Mais est-ce que t'as vraiment la place pour les jouer? Est-ce que c'est vraiment ça que t'as envie? Par contre, attends, t'as toujours tour 5. Il a fait Abigail Pass. Pourquoi il a pas juste développé un parme? Moi j'étais en train de parler là des spells, j'ai pas fait gaffe. Le gars il a 5 mana, il a un parme en main, et il se dit Abigail. Tes 2-2-2, elles font rien du tout. T'as zéro tempo. Pose un parme, tu vas mettre une pression. Enfin, t'as lui qui récupère Dofus. T'as ceux-là, il est obligé de jouer en face. Tu vois, il est obligé de jouer en face de ce tome-là. Mais en soi, le tome-là, il va juste te faire value trade. Mais au moins, là, tu poses un vrai monstre qui menace. C'est vrai que le Schaefer, il était dans tous les cas un peu chiant à cause de sa portée. Et ça aurait forcé le bon à partir ici. Mais bon, au moins, tu vois, en vrai, tu aurais fait bon ici. T'as un parme avec un 4 de puissance qui est là sur le Dofus. Bah, il prend le Dofus, hein. T'avais un parme qui prenait le Dofus ici. Ou au pire, t'aurais fait bon charge. Si vraiment tu veux aller en un seul tour, tu vois, tu fais bon charge. Tu mets 4 dégâts au Dofus. T'as géré le chef archer. Mais là, la bigale, elle va servir à rien. En plus, lui, il va avoir le chefeur en tempo. Ça va être un peu chiant. Après, si tu fais proto, ça passe. Mais bon. Le proto, il se fera Black Web alors. Vérité, c'était que dans ton camp et pas partout. C'est bien que ce que je pensais. Ah oui, virilité c'est partout, hein. Parce que sinon ce serait vraiment très très faible. Il y a puissance, je crois que ça s'appelle. C'est pas pour un mana, tu donnes plus 1 de puissance à toutes les créatures dans ton camp. Je crois qu'il y a ça en Yop. Mais bon, ça c'est un boost qui est beaucoup trop léger. Et certes, c'est sur toutes tes créatures, mais seulement dans ton camp c'est moins intéressant. Tu vois, c'est, en fait c'est juste le plus 1 d'attaque qui est pas très utile. Même si en plus de attaque, ça dépendrait du coup en mana, mais ça aurait pu être déjà un peu plus d'intérêt. Mais voilà. Ici, t'as une belle compule. Mais il va juste faire un fléau derrière. Il a pas envie de développer sa tabahawk. T'as pas forcément de tabahawk à développer ici. Ça te laisse la possibilité de faire des charges, des virilités prochain tour. Vu qu'il y a par exemple le chef archer qui peut continuer à menacer ici. Ça peut être vraiment bien de caster un spell. Après là, quand t'as Tom là, Black Warp, tu vois, t'as déjà beaucoup de reach en dégâts. T'as déjà beaucoup de dégâts à distance là. Du coup, c'est peut-être pas le plus important. Le parb. Malheureusement, t'as pas vraiment de petites créatures à sacrifier ici. C'est un peu dommage. Il y avait pas un play beau hors de gloire, charge. Bon, hors de gloire, P-up, charge. Tu prends le Dofus ici. Bah, là, c'est sûr que 5 PV, tu vois, ça met un peu la pression, mais un bon charge aurait été meilleur, non? Ouais, bah, c'est ce que je pense. En fait, je sais pas si ça aurait été le play que j'aurais fait, mais c'est quitte à caster la charge. En fait, c'est quitte à caster la charge, autant faire le bon pour prendre immédiatement le Dofus. Ou j'aurais juste fait une heure de gloire si tu veux, mais. Et garder la charge dans ce cas pour Protoflex. Mais bon, là du coup il va charge ici pour prendre le Dofus. Il va caster un fléau là, il va développer sa tabac. Là il récupère le Dofus, il fléau en mode vrai, bon. Slipus qui est du coup très bien dans sa game. Oui, parce que je vous rappelle, à cause de bug de spectateur là, de la piscine, Slipus est en face, hein. Et ici on a la pauvre du coup de Auguste Scholar. Petite douille. Et par exemple, son Pascal il va juste se faire buter par Tabahawk. C'est un peu triste. T'as en plus perdu la charge pour Protoflex. Je suis vraiment pas fan, hein, de ce play. Bon, t'as une initiative qui se place bien devant le Schaefer. Tu peux faire par exemple Copa d'endroit plus Archil. Après, quitte à utiliser TPA, tu peux faire Copa plus Parme.
Pas qu'est-ce qui sera vraiment le plus intéressant. Ouais. Bah il le pose là. Je me demande si j'aurais pas pris le PA alors. En fait l'idée c'est que lui sur bon il passe pas au bout. Oh alors bonglet. C'est que si tu comptes peut-être bonglet le parm ici mais. Ouais je suis vraiment pas fan mais là tu te fais marqueur. Enfin marqueur ou toxine. Ça fait assez mal. Il y a Tom là qui va partir pour le marquer sur le marcassinet. Sur la pioche. Je sais pas si j'aurais Tom là ici. Je pense que j'aurais. Enfin d'un côté il a une main qui s'épuise tout ça. Et de l'autre côté tu lui donnes un trop bon trade ici. Après tu peux poser en face vu que t'as récupéré un faux. C'est vrai. Enfin soit c'était un vrai tu gagnais, soit c'était un faux. Et tu peux poser devant le Tom là. Mais dans ce cas tu vas quand même laisser un tour à l'adversaire pour réagir. Mais là n'importe quelle créature qui sont posées menace à cause de bon. Sauf s'il les pose là sur le PA. Pourquoi? Pourquoi t'as développé un copain ici, tour d'avant, et tu développes un archive sur PA maintenant? L'intérêt de copain, c'est que justement, mais tu vois, avec la mort adverse que tu prenais, il allait charger d'une case. Et du coup, tu pourrais quand même le bon. Et en fait, ça te permettait de récupérer ton PA. Là en plus, tu casses une glaive. Tu retires la surprise de la glaive. Tu te retires la possibilité de faire bon. Attends. Ah non, il pouvait pas bon ici à cause du tome là, pardon. J'avais pensé à un potentiel bon glaive le poisse, mais. En vrai, non. Il posait le poiscaille autre part, il avait bon glaive. Sur poiscaille. En fait, il posait Archil ici. Poiscaille là ou là. Ça fait. Après c'est vrai qu'à cause du marqueur t'avais pas le bon ici. Mais tu pouvais laisser potentiellement l'archer juste prendre le value trade. Ou alors tu pouvais faire bon glaive ici. Le poiscaille qui faisait un bon glaive autre part. C'était nickel. Là il fait ça, ça défend ici, ouais, ça menace ici. Ouais c'est défensif, c'est menaçant. Bon t'as le pou qui est pioché, qui est pas trop mal. Mais le problème c'est que le copain y a une charge, t'es mort quoi. Là, par exemple, il aurait posé le poiscaille autre part. Bah, il aurait pas gagné parce qu'il lui manque un vrai, mais il aurait récupéré un autre vrai. Ou alors il aurait pas menacé avec le copa ici. Oula! Ok, bah je vois l'idée. L'idée qui est du coup défendre le copa. Par contre, je vois très bien ce que ça fait. Ça fait que maintenant, comment tu gagnes? Comment tu gagnes maintenant? Tu viens d'utiliser le pou en défense. Si tu dis, ouais, si tu dis je récupère ici un vrai, Feléo un autre vrai, ça peut passer. Mais en dehors de certains top decks, ça a l'air d'être compliqué de gagner quand même. Hein. Faudrait. En fait le truc c'est que s'il te donne autorité, ça l'aide même pas. S'il te donne autorité. Parce qu'il a pas de créa autorité, vous voyez? Au moins, on va dire qu'il fait le haut en bon. Attends, mais. Ah oui, non, c'est. C'est bon. Et là, t'as du coup lui qui prend le value trade. Non, c'est. En fait, c'est bien de prendre la mort adverse ici parce que comme ça, t'es sûr de défendre le gars. Bon, par contre, il y a la seconde virilité, du coup, il va prendre le trade ici. Bah, par exemple, là, il a réussi à bien value ses virilités, mais ça m'a l'air d'être dans des setups quand même trop particuliers pour que ça soit très intéressant, mais. C'est pour ça que je dis que virilité c'est un bon sort, mais un sort dont je me demande s'il y a vraiment la place pour le jouer. C'est que vous voyez, en soi, le spell n'est pas mauvais, par exemple là ça vient carry. Mais la question c'est combien de fois ça va être utile et combien de fois ça va traîner dans ta main. Ou combien de fois ça pourrait être remplacé par une carte qui aurait un impact plus puissant. Ouais, tu développes une créa. Il peut potentiellement faire le tobla s'il le souhaite. Pour s'il veut vraiment full profiter de la virilité. C'est ce qu'il va faire, sûrement là, sur l'archil, ouais. Il fait la virilité. Il prend le value trade ici, et là, tu peux plus gagner.
Combien de fois ça va juste être une compulsion un peu chère surtout? Ouais, c'est ça. Mais bon, tu vois, là, c'est pas juste compulsion un peu chère parce que du coup, t'as cet homme-là qui a chopé deux virilités, c'est vraiment naissant. T'as cet homme-là qui protège le protoflex. Bah, n'empêche, il a protogis. Et le seul endroit où il peut protogis, c'est sur un vrai. Attends. Est-ce qu'il va pas réussir à la fouler ici parce que. Du coup, il a top deck gis. Est-ce qu'il y a un monde où il peut l'emporter au fléau? Non, non, parce qu'en fait il a du coup voulu poser gis en def ici. Et il n'aura pas le timing pour faire les fléaux. En fait, il n'aura pas le temps de faire récupérer les fléaux et de casser les fléaux. Il va perdre avant. Parce que là, ça va juste être Black Wab. Tu gardes ton heure tu gardes ton heure de gloire tranquille. Et ici, bah ici t'as même pas pioché de quoi défendre. Et du coup, bah c'est loose. Bah il était quand même à ça, hein, parce qu'il a bien top deck. Il a bien top deck. La petite charge pour faire passer le proto, mais bon. Ah, le truc c'est que t'as pas le temps, hein. Ouais. C'est sûr que la seconde virilité, elle a fait mal. Oh, faut quand même l'avouer, mais. J'ai pas regardé ses compulsions. Je crois qu'il en avait cassé qu'une compulsion et c'était tout. Et Heure de Gloire qu'il l'avait pioché à la toute fin. Du coup, il y avait quand même des chances pour qu'il y ait une compule ou s'il joue de la fratrie, qu'il y ait un bob qui tombe. C'était quand même. En fait, il restait dans une situation très complexe, Auguste Collard, mais c'est vrai que la pioche de la seconde virilité a achevé, quoi. Le truc. Et du coup, c'est le Yop de Snipus qui a gagné le premier round. Ok, petite douille qui a repris Yop versus les cas de Snip. Qui commence immédiatement par une relance qui réussit. C'est bien, cette fois-ci, il casse les relances dès qu'il les pioche. Parce que des fois, il les garde en main et on se demande pourquoi. Par contre, moi, je vais poser d'autres questions. Par exemple, pourquoi Gigi? Toujours, cette carte, elle est mauvaise. Ah pardon, la pauvre d'Auguste Collard, voilà. Cette carte, elle te fait 0 tempo, elle donne une mort adverse gratuite à l'adversaire. Bah attends, tu peux peut-être lui overdraw une carte ou deux. Et là, toi, tu dis, oh, le compo Gigi Joris, quel enfer. Bon, déjà, je veux dire, c'est un combo qui est très hasardeux parce que ça se base sur deux cartes qui sont en un seul exemplaire. Même si j'ai croisé 3 EK qui le jouaient et 3 EK ont sorti la combo. Et de deux, je le répète, mais on s'en bat les couilles, on n'utilise pas nos poils, on s'en fout, on veut garder la tempo. Là, tu fais juste tabac devant Gigi. Et si tes poils ils coûtent 1 ou 4 mana, mais si dans tous les cas tu vas pas les utiliser tes poils, hein, si dans tous les cas tu vas préférer utiliser tes mana pour développer des créatures, pour développer un plan de jeu qui te fait gagner, tu vois, pas utiliser tes mana pour rien faire avec des poils. Dans ce cas, si tes poils ils coûtent 4 mana, on s'en bat les couilles. Parce que dans tous les cas, tu les joues pas. Vous voyez? C'est ça l'idée. Et là, bah, le Chichi, OMG, il a fait overdraw une carte à l'adversaire. Bon, il a fait overdraw une seconde carte avec bonne pioche. Mais bon, ça compte à moitié. Et il a servi à rien parce que là, t'as une 5-3 qui menace ici. Il a réussi à poser un Archil du grand tempo. Et voilà. Ça t'a marqué, ces Zeka. Bah ça, en fait, ça marque parce que j'ai l'impression que du coup, tu vois, les gens, ils commencent à croire que GG est bon. En vrai, dans certains aggros, pourquoi pas, hein. Je veux dire, il est pas particulièrement mauvais non plus. Mais il est loin d'être vraiment bon. C'est ça, et en fait, les gens, quand j'en parle, ils sont là en mode, oh, GG Joris. Et je suis là, je comprends pas. J'ai affronté des GG Joris. Et t'es là, ok, t'es pas le coup de 4. Mais moi je pose des créatures. Moi je vais tuer ton Joris. Moi je vais tuer ton Gigi. Il va avoir des créatures qui menacent. C'est cool, j'ai une bande qui est plein de poils. Oh, j'ai overdraw 3 cartes. Mais si je te prends de fousses. Si je te bats. Si je te tue. Qu'est-ce que je vais faire d'overdraw 3 cartes? C'est ça le truc. C'est qu'en fait, dans un aggro, l'intérêt c'est que tu vas faire perdre des ressources à l'adversaire. Tout en mettant un plan de jeu qui te fait gagner, en mettant une agression, tu vois, en faisant pas, tu vois, en forçant l'adversaire à réagir. Là, dans un deck comme ça, genre tu poses Gigi T3, bah l'adversaire, ouais, ok, je vais perdre une carte ou deux,
Mais par contre, il développe toute sa tempo tranquillement. Et toi, derrière, tu finis à avoir géré une Tamahawk, à devoir gérer un Archeel. Parce que t'as fait un tour où, en fait, t'as rien développé. T'as fait un tour où t'as rien fait. T'as récupéré un fléau. En passage, il a mis un dégât à la Tamahawk qui a quand même permis d'aller chercher avec la Shava, mais. La Shava qui est d'ailleurs remontée dans la map verse pour le faire overdraw, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, donc il abandonne l'Archeel. C'est que la Shava là, c'est. Un trou de bol, mais bon, ça va. Là, il fait Arpa ici. Shava autre part, ouais, ça va être ça. Ou alors tu développes une autre créa que tu vas buff, mais. Il fait juste Arpa, il retire le Metchucho. On en a vu dans les BO précédents qu'il jouait plusieurs Metchucho. Là, on a l'info maintenant que du coup, il joue deux Metchucho, précisément. Et tu vois, là, t'as l'Archeel ici, il a abandonné son Dofus. T'as le Black Wab ici qui menace. T'as l'Harpagon ici qui menace. Et t'as la petite 3-3 qui est développée. Très 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 cool, hein, le Gigi Jouris. Waouh, quel taf de fou, hein. Bah là, du coup, c'est un peu la PLS. Bon, il va réussir à le faire overdraw une autre carte. À tout cacher. Bon, il a quand même récup proto. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. En vrai, j'aurais tendance à dire que GG, il y a seulement si tu fais quelques overdraws précises, c'est vraiment galère. Et tu vois, et proto en fait partie. Poisse, poisse, c'est chiant, mais ça va. Tu peux très bien vivre sans. Tu vois, là où proto, si tu le perds, ou autorité, tu le sens vraiment. Tu le sens vraiment, quoi. Hein. Ça va être juste un poids sky. Moi j'aurais juste vu Tom là et peut-être un poil. Genre je pense que j'aurais vraiment juste fait Tom la poil, hein. Parce que bon, bien évidemment, je dis qu'il faut pas utiliser, tu vois, utiliser des manas dans les poils et ne pas développer de créatures, c'est con. Autant développer des créas, mais le truc c'est que là, le Tom là, tu prends le tri de Tricity, tu vois là. Après avec Atout Caché, c'est vrai que tu peux aller chercher le mégaton, mais ça va forcer l'Atout Caché à partir ici. Ou alors t'acceptes de te prendre 5 dégâts sur poids sky et c'est un peu triste, quoi. Après, je vais bien comprendre aussi, il veut garder son tome là pour le bonne pioche, j'imagine. Et en fait, les synergies, genre GG, Mégaton, des choses comme ça, j'ai l'impression que ce sont des trucs qui fonctionnent mieux en aggro, tu vois. Parce que, comme j'avais déjà parlé de pourquoi GG en aggro, mais Mégaton qui est justement une bonne carte d'aggro, qui peut aussi faire un peu overdraw à l'adversaire. Adamaï pourquoi pas, qui est très intéressant pour la prise de board, qui est chouette dans les trucs plutôt tempo aggro. Et qui peut faire aussi overdraw à l'adversaire. Bah, bonne pioche, c'est pas vraiment des aggro, ça va plutôt être. C'est plutôt des decks tempo. Mais. En vrai, tu fais un deck un peu tempo, un peu agressif. Je trouve que c'est pas mal, juste que j'ai l'impression que son deck il est trop lent en fait. Ok, ça va être à tout cacher, Glet, Tom là. Tu prends ce Dofus, t'as gagné. Là, tu fais à tout cacher, Glet, t'as gagné. Oh. En fait, t'as le atout Glet, Tom là, qui est très bon en tempo, qui te donne un Dofus, qui permet d'utiliser ton Harpagon qui a 2 HP, qui se fait tuer très facilement, qui permet de trade ici, qui permet de poser une créa. Pour trade la Tamahawk qui fait win. Bon, d'un côté je suis un peu triste pour Snipus, de l'autre côté bah c'est bien fait, hein. Son DK mais je suis convaincu que son meilleure réutilisation est en aggro. Ah ça j'aurais tendance à dire encore heureux. Mais moi ce que je veux vous dire c'est que même dans les cas où sa meilleure, même dans les cas où il a une bonne utilisation, il reste pas fou, hein. Dans les aggros, faut vraiment que je me dise putain, je sais vraiment pas quoi mettre. Bon bah vas-y, je vais mettre un GG. Tu vois, genre en SRAM. En SRAM t'as pas de très bonne cross mic.
T'es là, tu réfléchis, tu dis bon bah vas-y, on met un GJ, ça coûte rien. En plus, ça fonctionne bien avec mettre des ombres, GJ. Dans cette insanité-là, tu dis vas-y, pourquoi pas, avec Chris Lacrasse, ça peut être assez drôle. Et son faible body, tu peux le compenser avec Puissance Sylvestre. Ok, petite Mallory, renouveau avant de départ. Eh ben, il fait ça. Quand même, je tiens à préciser qu'elle a commencé sa main avec deux cartes. Qui sont du coup Hello et Coco. Je moque souvent de trucage main deck, mais bon. Je dois avouer que c'est une option qui peut s'envisager. Tu vois. Je dirais pas que c'est mauvais au point de dire pourquoi il joue ça, c'est de la merde, comparé par exemple à Gigi. Non, je comprends vraiment pas l'intérêt. Trucage, je comprends l'intérêt, je vois, il y a vraiment des fois où ça peut être vraiment intéressant. Mais le truc, c'est que je me dis, par exemple, voilà, là, il a eu de la chance parce qu'il a eu Hello Ben, hein. Mais genre, t'as deux trucages dans ta main de départ, t'as juste envie de FF, quoi. Si t'as pas Hello Ben, t'as envie de FF. C'est ça, j'ai du mal avec trucage, C'est une carte qui va servir à rien, c'est une carte morte en main, c'est une pioche morte. Sauf si tu as certaines cartes. Et l'aubaine surtout. La recrue, recrue adoptée, tu vois. Celle des chromes. Ok. Et bah tout rien. Mais tout rien, faut déjà avoir des créas, il faut avoir des setups pour tout rien. Comme j'ai dit, je préfère jouer Rémus, quoi. Même si Rébus il est du coup un peu plus aléatoire, au moins il a un body. Il peut proc. Il fonctionne aussi avec la sentinelle. Hein. Celle qui gagne des stats quand tu fais des lancers de pièces et de dés. Ah oui! C'est bien. Moi j'aurais tendance à dire que c'est un peu étrange d'avoir repoussé ici, parce qu'en vrai là t'as peur d'enflammer ici quoi. Si t'as enflammé là, en fait, elle survit. Mais t'as deux armor. Parce qu'enflammé, c'est toutes les créas. Hein. Ou alors tu fais un enflammé là, mais dans ce cas, la repousser, ça a pas. Ah, tu veux dire que là, il serait. En fait, il s'est pris un genre trucage tout rien. Mais s'il fait un enflammé pour tuer le coco-coco, par exemple, il se prenait quand même trucage tout rien, tu vois. J'aime vraiment pas son glyphe de retraite. J'ai l'impression qu'il a vraiment servi à rien. Et décide de fratrie à nouveau les chuchoku. Voilà, du coup, il prend le trait neutre ici. À tout cacher. T'as pas un trucage tort à tout cacher? Si tu veux récup de Dofus. Sinon, tu fais juste. Ah, c'est ce qu'il va faire, hein. Oh, le play de Golbon. C'est du play de Golbon, hein. Et je dis pas ça parce que c'est un play nul. Non, 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 je pense pas que le play soit nul. Mais c'est un play de Golbon, je suis désolé, c'est vraiment. Moi, allez. Moi, allez, Dofus. Ok, bon, pour un HP, c'est pas ouf, mais bon, ça développe un glyphe et vu ta main merdique, j'imagine que t'avais rien de mieux à faire. Logiquement, en fait, tu vois un Fekka qui a une main pleine. Toi qui as deux cartes en main. Voire une si on considère Toxine comme même pas une carte. J'allais dire le bas de pioche il peut être intéressant. Mais vu qu'en fait, petite douille là, Auguste Scolar, il a une main qui est bien remplie, mais il a rien à jouer. Le bas de pioche l'aide aussi. Mais par contre là, certes, donner une relance du coup c'est chiant, mais obtenir un Krayle, oh c'est tellement mieux. Il décide de faire reveal ici. Ok, bah c'est pas la classe sur laquelle le reveal est le plus dangereux, du coup ça passe. Mais par contre, faudra faire gaffe à des potentiels retours du bâton Baccarat. Parce que là, un reveal peut changer la donne. Hein. Faut y rater la pièce, malheureusement. Y a deux rares en Fekka. Il y a Alchimiste, il y a Jadouillère. Alchimiste du coup qui est ici, hein, cette carte qui réduit le coût des glyphes. Jadouillère qui est celle qui donne le shield.
Il a 5 mana. Il a une belle alchimiste. Mais Toxine, qui est normalement une carte assez morte dans le match-up, là, elle va être intéressante. Mais en fait, que. Ah, il la pose ici. C'est vrai qu'avec le gars d'armure, du coup, il prend le value trade là. Moi, j'imaginais la poser là et potentiellement faire un glyph après. Mais. C'est vrai que là, du coup, c'est bon aussi. Mais la toxique, elle va venir. J'allais dire que le problème que j'avais avec le play pièce, tout. Turcage, tout brillant. Quand il avait la. Sa 4-4, là, sa Hello Bane. C'est que derrière, il avait plus de gain de PM. Mais au moment où j'allais dire ça, il a top deck Gley. Du coup, problème est résolu. Et salut Dez. Tu vas bien? Cette Romain rude. Ah, ça va hein, quand même, la petite pioche Mallory. Après, le truc, c'est qu'il faut quand même qu'il gère les créas qui avancent sur ses vrais. La Toxine, elle a fait vraiment mal ici. Après, est-ce qu'il pouvait vraiment tourner autour de Toxine? On dit qu'il y a seulement 3 cartes dans la main adverse. Ça fait ceci, ouais bon. Je suis pas très fan parce que elle se fait trade neutre. En fait, le truc c'est que t'avais déjà toutes ces cartes-là dans ta main. Du coup, si tu te dis que ça c'est ton game plan et que tu commences par prendre l'info, autant jouer ta 2-1 ici en premier temps et ensuite faire, tu vois, soit tu pioches un bon glyph à jouer et tu joues, soit tu fais Jade ici. Mise en garde, et ta Jade au moins prend un value trade, elle reste en vie, ou ça va forcer un orbe à l'adversaire d'être casté. Mais bon, là il y a bas les pattes. Là, du coup, bas les pattes Gley, il prend un Dofus. La question c'est lequel? Ce sera sûrement, je pense, celui-ci. Après, tu lui donnes une autre pioche de. Ouais, ça c'est. N'empêche, là il a bien tourné autour de bas les pattes Gley. Étonnamment, il a bien tourné autour de bas les pattes Gley. Parce que de base, c'est celui-ci pour casser le glyph. Mais il a pas envie de redonner une Mallory à l'adversaire, hein. Bon, je sais pas par contre si Gley ici sera vraiment intelligent parce que là il va pouvoir poser un Fekka en armure qui va bien value d'un Gley comme jamais. Mais bon, tu récupères Dofus, tu menaces avec Toxine, t'as ce Dofus là qui récupère quand il veut, t'as deux orbes en main encore. Bah c'est obligé d'Arty, hein. Tu peux faire potentiellement Arty et Amjad pour mener une petite aggro. Mais. Ah! Bah non. Ah, elle attaque immédiatement. Ah oui, c'est annule le bal d'invocation. Du coup, elle attaque immédiatement. Oui, non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. My bad. C'est bon, j'ai. Non, non, c'est vrai que du coup, ça c'est mieux. On va pouvoir se faire orbe quand même, mais. Ou alors tu développes un cri. Bah, il décide de commencer par là. Du coup, il va vouloir sûrement orbe. J'aurais bien développé un cri en body, mais. Toi, tu comprends son play. Peut-être créer une sans pioche, tu vois. L'idée c'est aussi de pas laisser l'arty trop free. Par contre, là il a 0 0 Fekka. Bah, il vient de top deck un Fekka qui va pouvoir value la petite Gley. Non, non, cet arty il est bien. Cet arty il est bien. Juste, vous comprenez, je suis pas totalement habitué à arty parce qu'il est banni du tournoi Olympus Coupe, évidemment. Point d'exclamation tournoi. Vous avez tous les liens pour le tournoi du 25 mai. Bref. Pour l'instant. Attendez, il y a ma mère qui m'appelle. Ah, pour l'instant, je vais répondre à ma mère. Mais je voulais dire que pour l'instant, on va se concentrer sur la Cross Mega League. Je me mute.
Et j'arrive pour la fin. J'ai pas vu grand chose de la game. Tout ce que j'ai vu, c'est qu'il y a un article qui n'a pas été géré. Et le FK qui a du coup commencé à snowball. J'ai envie de dire que c'est un résultat absolument pas inattendu. Un résultat très attendu de ta Snipouze qui fait pas de dofus en early. Il commence à avoir une main un peu vide comme tous les matchs. Bon, il avait pas son crabe, ça, oh, quel dommage. Pour voler la game. Mais bon. Il a du coup laissé le temps à FK de se développer et de se faire écraser. Et le play de moi qui voulais poser devant Arty, j'ai envie de me dire que là, il aurait peut-être changé la donne. Mais après, ça. C'est vrai qu'avec tout ce qu'il avait en main, quand même, il avait beaucoup de support, le FK.